Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Sumatra Fate of Yendi. Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ça va, Gwen? Jeu de Ratalinka Games. Cloak and Drag, Cloak and Dagger Game. Un caribou sauvage est apparu. Oh, il est en français, je savais pas. Ça va, merci. Pandang, Logging. 18 novembre, en Indonésie. Sumatra. 2018. Bon, ben c'est parti pour une nouvelle journée au paradis. Allez, il pleut. Avez-vous besoin d'un tutoriel rapide? Oui. Utilisez le joystick gauche pour déplacer le curseur. Appuyez sur A pour interagir avec les objets. Appuyez sur B pour examiner les objets. Amenez le curseur en haut de l'écran pour accéder à votre inventaire ainsi qu'au menu et aux paramètres. Les objets de l'inventaire peuvent être utilisés entre eux ou avec d'autres objets dans le monde du jeu. Appuyez sur B, un objet de l'inventaire pour l'examiner. Une fois un objet de l'inventaire sélectionné, appuyez sur B pour le désélectionner. Bon, entrez. Yo, Yendi! Salut, Random. Andy, ramène tes fesses, tant tard. Faut vraiment que tu t'essaies d'arriver à l'heure. Il va finir par perdre patience. J'ai fait ce que j'ai pu ce matin, je t'assure. Qu'est-ce que vous chuchotez encore? On arrive, patron. Tout va bien à la maison? Ouais, t'inquiète pas. Écoute, je sais que c'est compliqué avec Adirata, mais tu vas te faire virer. Si tu continues, c'est à cause de ce foutu boulot s'il y a des tensions dans mon couple. Adirata en a marre que je sois jamais à la maison. Et si cet abruti ne se dépêche pas de nous payer nos heures supplémentaires, il va t'entendre. On discutera plus tard, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau dans le journal? Le conseil représentatif du peuple touché par un scandale de corruption. Bon. Plusieurs employés utilisent un casier pour leurs affaires, mais pas moi. Vu que je préfère avoir le moindre de choses sur moi possible, je garde tout dans le camion. Cette carte indique les zones que nous exploitons. Naturellement, il y a de la concurrence dans la région. Mais on a encore pas mal de coins. Elle est occupée, j'irai lui parler plus tard. J'en prendrai un après le briefing de Brandam. C'est gentil de te joindre à nous, Yendi. Pas de soucis. Non mais quoi, quel culot, je suis ça de te virer, tu sais. Parler du fait que t'es arrivé en retard tous les jours cette semaine. Mais si je te faisais, qui est-ce qui irait couper mes arbres? Hein? Bon, le plan du jour, vous allez aller tous les deux à Bukit, les signes, récupérer les billes de la dernière semaine. Mais monsieur, et la pluie? Quelle pluie? Ça fait 2 jours qu'il n'y a pas de pluie, une goutte là-bas. Vous êtes sûr que c'est pas risqué, patron? Non, mais tu me prends pour qui? Tu crois que je veux vous tuer? Arrête ton cinéma, il va rien vous arriver à cette foutue colline. Et toi, Yandy, toi aussi, t'as perdu tes couilles? Non, monsieur. Parfait, allez au camion, ramenez-moi ces foutues billes. Plus tard, dans les profondeurs de la jungle de Sumatra. Bon, c'est parti pour la première. Grizzly, Yendi, tu me reçois? Grizzly. Oui, vas-y, Random, je t'écoute.
Qu'est-ce que t'attends pour descendre? Faut qu'on se grouille de charger tous les billes avant qu'il y ait glissement de terrain. Je te jure que j'ai senti la terre vibrer au-dessus du camion. En dessous du camion. J'ai presque fini. Il me reste plus qu'à mettre la chaîne en place. Mange-toi, qui est terminé. Ben, j'avoue. Hein. Il faut que je me dépêche. Randam a raison. C'est dangereux ici. La pente de la colline est complètement détrempée. Si Mayadi était encore là, il n'aurait jamais permis ça. Depuis que Ben Dam est arrivé, on risque nos vies tous les jours. Bon, une fois que j'aurai mis les crochets en place, je pourrai attraper la chaîne et donner le signal radio à Randam. Il faut que je fixe les crochets à la bille de bois. Ah, la bille, c'est des billots, c'ti. Allez, plus qu'un. Oh, j'aime pas ça. Avalanche! Avali, aïe, aïe, esti! Sumatra, Fate of Yandi, Sumatra, Sumatra, Sumaki, Sumaka, Sumati, Sumaki, Sumaka, Kuma, Suma, Sumatra, Fate of Yandi. Ça rire, toi. Bon. Un petit roupillon, réveille-toi, Astra. Oh, la belle face. Gauche. Oh, ma tête. Elle est encore là. Je suis où, là? Glissement de terrain. J'ai dû tomber dans le fleuve et être emporté par le courant. Ça se trouve, je suis à des kilomètres de Bukit-Lichin. Comment je vais retrouver mon chemin alors que j'ai aucune idée où je suis? Regarde les étoiles. Kempre. Randam. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Radio. La radio est complètement trempée. La radio est complètement trempée. Madame, c'est Yandi. Tu me reçois? Madame, tu me reçois? Yandi à Pandang, logging, à vous. Yo, Iman, tu me reçois? Je suis vivant, mais je suis perdu en pleine jungle. Envoyez des secours, terminé. Après, je crois qu'elle ne marche plus. Soit c'est l'eau qui l'a esquintée, soit le signal radio n'arrive pas jusqu'ici. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le choix. Il faut que j'essaie de me diriger vers l'intérieur des terres. J'arrive à trouver un point de hauteur. Peut-être que je pourrais utiliser ma radio. Corse de train, c'est entièrement couvert de petits trous. Je pourrais essayer d'y glisser un doigt, mais je ne sais pas envie de me faire mordre. Pas de pose des questions. Oh, une corde. Une liane.
Ça pourrait m'être utile, oui, bout de panne. Les empreintes. Elles sont récentes. La boue est encore fraîche. On dirait qu'elles ont été laissées par quelqu'un portant des grandes chaussures. Leur forme ressemble à celle des miennes. Ça pourrait-il qu'il y ait d'autres forestiers dans les environs, ou peut-être une dame? J'espère vraiment qu'il ne lui est rien arrivé. Adirata doit s'inquiéter de moi. Je m'en veux quand on se soit disputé ce matin. Ça vous apprendra. Avant toute chose, je dois rester calme et réfléchir. Il faut que je trouve la personne qui appartient à ces empreintes. Peut-être qu'elle pourrait m'aider. Ça m'étonnerait. Personne ne veut t'aider. Personne t'aime. Un genre d'oiseau. C'est comme un genre de tigre. T'es prêt? Le bâton a l'air solide, il pourrait m'être utile, il pourrait. Moi je suis un survivaliste moi. J'ai attaché la laine au bâton. Et là on va faire un piège. Quand j'étais petit, je me rappelle que mon père utilisait des pièges pour attraper les animaux. Je peux peut-être essayer si je fais un nœud avec la liane. Ça pourrait faire un piège rudimentaire. Bon, oui. Oui, ça n'a pas pris. Il a complètement ignoré le piège. Bon, t'as pas. Peut-être que je devrais essayer d'utiliser un appât. Ouais, oui, mets une roche dedans. T'as vu de la nourriture quelque part, toi? Des plantes, hein? Des roseaux? Ça pourrait m'être utile. Ah, j'en ai un. Ah oui, un trop aussi. Je vais pouvoir trouver plus appétissant comme un pot. Tabarn. On revient sur nos pas. Mettre de la boue dessus. Ah! Il va y avoir des bibites dessus. Roseaux entrent parfaitement dans le trou. J'attends ça aussi, les roseaux dans les trous. Il est maintenant entièrement recouvert de termites. Je vais les mettre dans une feuille d'arbre pour qu'ils n'abîment pas mes habits. Ah. Espérons que ça fasse l'affaire. Ah ouais, mon esti niaiseux. Je l'ai eu, ça a été plus facile que je pensais. Il devrait faire le repas plus convenablement. Bon. Tiens, à moi ça. Je ne pense pas qu'Adirana approuvera que je prenne la vie d'un animal. Je dois tout faire pour éviter que cela se reproduise à l'avenir. T'as raison. Bon.
Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Sors de là. Je peux pas m'aventurer dans ce marais comme ça. Si jamais je restais coincé, je servirais de casse-croûte. Big. M'arrête d'y aller. J'espère que ça va marcher. Hein? Ça a marché. Allez, on doit continuer. Je vais faire ça. C'est des roseaux. J'en ai déjà pris un. Hein? Ah, et c'est super coupant. Ah, c'est bizarre, ce morceau de métal porte le logo de Pendai Logging. On dirait qu'il s'est détaché du treuil hydraulique. Comment a-t-il pu arriver jusqu'ici? Randan, je dois être quelque part près d'ici. Ça devrait me permettre de couper l'arbre. Tu n'aurais pas pensé, toi. N'arrive pas à frapper assez fort. Le bois est trop dur. Peut-être que si j'avais un élan. J'ai utilisé la liane pour fixer le morceau de métal coupant au bâton, ce qui me donne une hache rudimentaire. Tu as pensé, Asti. Que si. Toi, tu aurais pensé à faire ça? Timber! Ouais. Une hache bien aiguisée. Elle taillait dans le bois comme dans du beurre. Comme dans du beurre. Shit. J'ai pas eu le temps de lire ce qui était écrit. Tu fais là, en train de pleurer. Tu viens de ces mal de tête. Pas ta mère, moi. Ah. J'arrive pas à croire que t'aies accepté d'y aller. On était censé passer la journée ensemble. T'es pas capable de lui dire non, c'est ça? Tu as raison. Mais Bendai n'est pas comme Maya. C'est comme si je pouvais pas lui dire non. Il faut que j'y aille. Y a rien qui dit qui t'y oblige. J'attends dans le lit. Comme toi avec tes amants tous les jours. Où suis-je? Hé, où sont mes affaires? Ma radio, ma hache, il faut que je sorte d'ici. Il est plein de trous. Il me sert à rien. Un panier. Il est plein de merde. Ça ne me donne rien. Il y a un vieux légume tout dur à l'intérieur. Je vais le prendre. Toi aussi, t'aimes ça les légumes tout durs. Vide. Il n'y a rien. Quelques feuilles pourries en fond. Rien d'intéressant. Bon.
une bâche. Une vache. Oh. Quoi ça? Pas de tes affaires. Le légume tout dur. Pas d'une vache et d'une bâche. Chien. Va-t'en. Ne t'approche pas. Tue-les avec la hache. Tue-les. Le chien n'a pas l'air dangereux. C'est le lion. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont l'air terrifiés. Il faut que je fasse quelque chose. Où suis-je? Qui êtes-vous? Où est ma radio? C'est vous qui me l'aviez prise. Je ne comprends pas un mot de ce qu'ils disent. Pourquoi m'ont-elles indiqué cette direction? Je ne peux pas les prendre comme ça. Ils ne m'appartiennent pas. Non, mais eux autres, ils n'ont pas pris ta hache, eux autres, tabarnak. Hé, petit, tu peux me dire où est... Visiblement, ils ne comprennent pas. Bonjour. Oui. Elle ne comprend pas. C'est une folle. Probablement une française. Bonjour. Où suis-je? Inutile. Elle ne comprend pas. C'est probablement une française. Je vais te taper. Non, reviens, toi, reviens. Allez, ça va être l'écrit post-pied, il manque un S. Bonjour, vous pouvez me dire où est? Elle n'en comprend pas, elle pose des questions stupides. Où est là-dedans? Ce serait impoli de ma part d'entrer sans y avoir été invité. Comme chez vous. Oh! Hé! Hey. Ah, tu es enfin réveillé. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce qu'on est? Je vois que Mungil t'apprécie toujours autant. Il ne voulait pas qu'on te laisse tout seul dans la caverne, tu sais. Non, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Moi, je suis moi. Je vais t'expliquer. C'est Sacha de Pokémon. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Attrapez-les tous, attrapez-les tous, Pokémon. I wanna be the very best. Pourquoi je contrôle rien là? Ah, il y avait trois petits points que j'appuyais. Je viens d'apprendre que tu as aidé à faire fuir le tigre. Merci. Je peux vous demander de m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici? N'aie crainte, étranger. Nous ne te voulons aucun mal. J'imagine que tu te demandes qui suis-je. Dis-moi qui vous êtes. Tu peux m'appeler Kevin. Et toi, quel est ton nom? Je m'appelle Yandy. Eh bien, je suis heureux de faire ta connaissance, Yandy. Imagine que tu brûles de me poser des questions. Alors vas-y, je t'écoute. Où suis-je? Ceci est un village Oringringba. Nous sommes en pleine jungle, à l'intérieur des terres. Mais où exactement? J'étais sur un chantier à Bukit-Nintin. Bukit-Nintin? C'est au moins 160 km d'ici. 160 km? J'ai dû dériver plus longtemps que je pensais. Comment suis-je arrivé ici?
Des membres du village t'ont trouvé évanoui dans la jungle, mais tu respirais encore. Ils t'ont ramené ici pour que tu reprennes des forces et je suis heureux de te voir rétabli. Il y a un accident. J'ai pris un coup à la tête. On t'a soigné. On t'a laissé te reposer dans notre réserve. Mungil a décidé de rester monter la garde. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Quand j'étais à la caverne, il m'a grogné dessus. J'avais aucune idée d'où j'étais, ni ce que qui se passait. D'où j'étais, non, c'est où t'étais. Même nos amis les plus fidèles peuvent perdre leur repère dans l'obscurité. Mais maintenant, tu es en pleine lumière. Angé, où sont mes affaires? On a trouvé ta hache. Tu viens ici pour couper nos arbres, pour les membres de ma tribu, les Organs Rimba. C'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous te l'avons confisqué. Les Organs Rimba ne peuvent pas te pardonner ça. Tu es libre de te reposer et de reprendre des forces, mais tu ne devrais partir en tout. Quand nous te l'ordonnerons. Tu me redonnais ma radio, je pourrais appeler les secours. Merci. Merci aussi de m'avoir sauvé et de m'avoir amené jusqu'ici. Ici Yandy. Pendant le logging, vous me recevez? La batterie est à plat. J'ai peur que certains des enfants aient un peu joué avec. Ça explique que la batterie soit à plat. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? T'appelles vraiment Kevin? Non, mon nom est Rogan Rimba et Sungung Chong. Appelle-moi Kevin si ça te dérange pas. J'aime bien le côté Hollywood que ça me donne. Pourquoi tu parles ma langue? Depuis tout jeune, je rêvais de quitter la jungle et un jour, je me suis lancé. J'ai passé quelques années à Jakarta. Je travaillais dans les bars, des restaurants et j'ai appris votre langue. Pourquoi es-tu revenu? Ma famille me manquait, le trajet de retour a été difficile, j'ai même failli y rester, mais j'ai réussi à revenir en ville. En fait, quand j'étais ici, je rêvais d'aller là-bas et quand je suis allé là-bas, je rêvais de rester ici. Pouvez-vous m'aider à regagner la ville? J'ai bien peur que non. Tu as pu voir que tes propres yeux les dangers auxquels nous vivons chaque jour. Je ne peux pas abandonner les miens. Mon devoir est d'être ici avec eux. Je t'en prie, le trajet de retour te prendra plusieurs jours. Tu devrais te reposer et préparer ton voyage. Le moment venu, je t'indiquerai le chemin à suivre. Seul, je ne survivrai pas longtemps dans la jungle. Il faut que j'appelle des secours. Est-ce que vous auriez des piles par hasard? Regarde autour de toi. Tu penses vraiment qu'on a ce genre de choses ici? Tu n'as pas de bons souvenirs de ces années passées à Jakarta? Tu savais tout ce que je pourrais te raconter, Yandy. Vas-y, je t'écoute. Tu n'as rien de plus urgent à faire. Les oranges. Est-ce que je peux te poser quelques questions sur les Orangrimba? Sûr. Depuis combien de temps êtes-vous installé ici? Les Orangrimba sont une tribu de nomades. Nous sommes arrivés ici qu'il y a quelques jours. Et avant, est-ce que vous étiez? Environ 10 km d'ici, en aval du fleuve. Vu qu'on pratique l'agriculture sur brûlis, le moment était venu de changer de zone. Comment faites-vous pour survivre ici? La jungle nous offre tout ce dont on a besoin. Ce sont pas les orties qui manquent, la chasse, la cueillette, la récolte d'ignagnes sauvages. Les membres de ma tribu sont débrouillards et connaissent bien la terre sur laquelle ils vivent. L'agriculture sur brûlis, c'est quoi? On défriche une petite section de la forêt pour y planter des cultures comme le manioc, le taro et la patate douce. Et une fois que la récolte est effectuée, on change de zone pour permettre à la forêt de se régénérer. Les arbres sont très importants pour nous. C'est pour cela qu'on ne supporte pas que vous les abattiez. Oh, les arbres sont-ils importants pour vous? Les arbres sont essentiellement un fonctionnement de notre société. Lorsque tu Orangrimba est né, le cordon ombilical est enterré dans une jungle. Dans la jungle, il y a un arbre, Somtumbung, planté par-dessus. Chacun de nous entretient un lien sacré avec son arbre pour les restants de sa vie. On est prêt à tout pour le protéger avec notre vie, s'il le faut. Dans la culture Orangrimba, abattre cet arbre, ça revient à l'assassiner la personne à laquelle il est associé. Tu es inquiet pour l'avenir de Orangrimba? Ça devient de plus en plus difficile pour nous de trouver des terres cultivées. Les exploitations forestières coupent toujours plus d'arbres. Il n'y a que pour les plantations de palmiers à huile et d'alvéas. Si les forestiers n'ont pas de temps à récupérer les arbres, les exploitent d'huile de palme et de caoutchouc, les brûlent directement. Mais quoi qu'il arrive, je sais qu'on
prévaudra, j'en suis sûr, en ne renonçant jamais à notre forêt. Est-ce que mon ami Randam est passé dans votre village? Ton ami Randam? Oui, je crois qu'il a été pris dans un glissement de terrain lui aussi. Juste avant de m'évanouir, j'ai vu des empreintes qui pourraient être les siennes. J'avais même trouvé d'autres choses qui semblaient indiquer sa présence et tout d'un coup, le trou noir. C'est un forestier lui aussi. Oui, et mon meilleur ami, je me fais des soucis pour lui, malheureusement. Et peut-être heureusement pour nous, nous n'avons pas vu de forestier dans les environs. Je suis désolé. J'aimerais savoir plus sur les animaux de la région, avec plaisir. Sur lesquels en particulier? Le tigre. Qu'est-ce qu'il faisait là, le tigre? Je tiens vraiment à te remercier de nous avoir aidés de faire partir. Notre communauté est particulièrement vulnérable quand les hommes partent à la chasse. Je suis désolé d'avoir dû lui donner de vos oiseaux. Ah, ne t'inquiète pas, tu as fait ce qu'il fallait des oiseaux, on pourra toujours en attraper d'autres. Tu sais, nous vouons la culture au dieu Mergo. Nous croyons notamment que les tigres apportent leur aide à ceux qui ont perdu leur route. Je vois pas trop comment le tigre pourrait m'apporter de l'aide. Garde ça à présent à l'esprit, Andy. Le chien. Notre chien semble vraiment excité de me voir. Mon guide aime bien jouer. Tout. Ne fais pas attention. C'est tout. Ne fais pas attention à lui. Il ne se fera aucun mal. Jette un œil aux alentours. Repose-toi. Mais n'oublie pas que la jungle accueille de nombreux dangers. Ouais, Gwen est là-dedans? Il a sans doute raison. Je devrais jeter un œil aux alentours. Et je dois aussi préparer ma radio. C'est ma seule chance de partir d'ici. Une dernière chose. Des gens de la ville ont installé des campements pas loin d'ici. Ils pourront peut-être t'aider. C'est vrai. Tu aurais pu me le dire avant. Continue un peu après l'endroit où tu m'as rencontré. Première fois, et tu t'embrasses sur leur campement. Merci. Un chandail. Reste ma de tanner si tu veux pas fouiller. L'eau est tiède, mais oui, va te baigner. Au bal masqué, ouais. Au bal masqué. On ne te va pas. Attends d'être là. Rien, cette odeur. On dirait l'entrejambe de Gwen. Y a une fleur. Des abeilles, j'adore le miel. Alors, des calices de là. On dirait que quelqu'un a fait du feu ici il y a longtemps. Il y a longtemps que je t'aime. Jamais je ne t'oublierai. Il n'a pas rêvé, c'était bien un ours. Ah oui, c'était un ours.
Jamais je m'en oublierai. On peut descendre. Oh! Des antennes satellites. La civilisation. Je suis sauvé. Oh, eh. Mon bal. Au bal masqué. Oh, eh, oh, eh. Mon bal, au bal, au bal, au bal masqué. Y a-t-il quelqu'un? Au bal masqué. Oh, eh, oh, eh. Je porte un cadenas. Une face laide. C'est moi! Il y a un énorme cadenas qui empêche d'ouvrir la porte, putain! Allô? Oui, il y a quelqu'un? On balle, on balle, on balle, on balle masqué. On dirait qu'il y a. Il n'y a personne à l'intérieur. Ma hache devrait me permettre de casser le cadenas. Il faut que j'arrive à convaincre les orangs Rimba de me la rendre. Satané! Il n'y a qu'une envie de risquer de faire électrocuter, mais ça, c'est ton choix. Moi, j'aurais pris le risque. Je suis un vrai. Toujours là, Gwen? Oh, un homme. Ouais. Ah, j'imagine que tu ne comprends pas non plus. Il est trop occupé à jouer avec son briquet pour faire attention à moi. Satané homme. Bon, Gwen m'a abandonné pendant qu'il y avait de l'action. Je ne sais pas si je devrais vraiment. L'ours, toi, probablement, se trouve à l'intérieur. Entrer dans la grotte? Pas tout de suite. Mauvaise idée. Suis stupide, mais pas tant que ça. Je peux aller par là. Ah, j'arrive de là. Donne-moi la hache, toi, avant que je te rende dans... Oh! Qu'est-ce qui se passe? Va bien, c'est l'homme qui avait l'air inquiet. Ils sont à la recherche du fils de Morungungun. Yann dit, si jamais tu trouves un petit garçon dans la forêt, viens me le dire, d'accord? Avec plaisir. Depuis combien de temps? Il a disparu plusieurs heures maintenant. Nourung est très inquiet. La jungle peut être un endroit impitoyable, surtout pour quelqu'un de si jeune. J'ai besoin de récupérer ma hache. J'ai peur que ça soit impossible, mais j'en ai besoin. Il n'est pas apprécié par les autres villageois, Yandi. Ils ne te connaissent pas. Si tu veux récupérer ta hache, il va falloir gagner leur confiance. Que dois-je faire pour gagner leur confiance? Demande-leur s'il peut te... Certains d'entre eux aient besoin d'un coup de main. Tu les aides et ils commencent à te faire confiance. Et tu ne peux quand tu décides de te rendre ta hache. Nous devons être en mesure de te faire confiance. Les miens ont peur que tu te serves pour construire. Continue à construire nos forêts. Ça ne serait pas le cas. Vous avez ma parole. Va leur parler. Je ferai office de traducteur si besoin. Merci, Kevin. Oh, toi, ma biche, as-tu besoin de moi? Bonjour. Yandy, je vais te demander à Ningang Muntach qui avait un certain service. Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Je préfère t'épargner les détails. Disons que ça commence en prenant l'insertion d'une flèche dans un endroit spécifique. Ça, Gwen, tu veux? Oh, en gros, elle n'a pas besoin d'aide pour fabriquer son arc. Quand elle pouvait l'utiliser sur toi? Ne t'inquiète pas, laisse-la tranquille et elle se fera autant. Oh, j'ai mal compris. Je pense qu'elle va se faire tuer. Bonjour! Yandy, je vais demander à Niorak si elle a besoin de toi. Nos réserves d'Ingmang sauvage sont plus bas, pour ne pas dire épuisées. Depuis que nous sommes établis ici, nous n'avons trouvé aucun endroit où ils se poussent. Ouais, j'ai compris après. Niorak aimerait que tu trouves des Ingmang sauvages et que tu les ramènes un. Nous enverrons ensuite des hommes chercher le reste. D'accord, je vais faire un possible pour trouver.
Laisse-moi demander à Melekat et Somping s'ils peuvent être utilisés. Merci. Il y a un certain type de rotang qui pousse dans la jungle et qui produit des fruits particuliers. Ce fruit est couvert d'une résine qui, une fois écrasée, permet d'obtenir une teinte que ces femmes utilisent pour le tissage. Et tu te serais reconnaissante si tu leur ramenais un de ces fruits. Il s'appelle Sandragon. Dragon, ça ne dit rien. La teinture obtenue grâce aux fruits est la couleur rouge, d'où le nom. Si tu as besoin de plus d'informations, viens me demander plus tard. Merci. Merci. Non! Putain, j'ai eu peur. Peur de ma vie. Bonjour. Ah, tu risques pas d'en tirer grand-chose, même sa mère a du mal à faire parler. Pourquoi ça? Va savoir, je crois qu'en ville, nous appelons ça la préadolescence. Ah, je vois. Femme mariée. Bonjour. Si tu veux récupérer ta hache, tu pourras peut-être aider Tidja. Je vais lui demander s'il y a quelque chose que tu puisses faire pour elle. Elle aimerait bien que tu ailles remplir sa bouteille d'eau. Quoi, c'est tout? Oui. Va chercher de l'eau pour Tidja. Et elle te pardonne d'avoir apporté une hache au sein de notre communauté. Je ne compte pas non plus m'intégrer à ma communauté. Hey, tu peux obtenir notre pardon, non? Tout à fait. Je me ferai un plaisir de lui apporter de l'eau à ta bitch. Oui. Ta bouteille. Et tu n'as qu'à utiliser celle qui est tout seule là-bas. D'accord. Allô, tu es. Bonne bouteille, le tigre a quitté la zone. Bonne nouvelle. Tu peux désormais explorer la jungle autour du camp. Mais reste prudent. Super. Bouteille. Bouteille d'eau. D'eau. Oh. 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 De l'eau, de l'eau. Eau propre. Eau fraîche. Qu'aime près cette fichue bouteille fuite partout. Elle est percée d'une multitude de petits trous. On dirait que le chien s'amuse à la mordre. Que je t'ai dit, mais je suis pas ta mère, moi. Et qu'est-ce qu'elle peut, pas qu'est-ce qu'elle veut. Elle est percée, votre bouteille. Elle se moque de moi. Elle dit que c'est cette bouteille-là qu'elle veut que tu remplisses d'eau. Mais c'est le marché. Je mettrai du miel, Beto, mais là, j'ai pas le temps. Relax. Yandy, j'allais partir, on se voit demain? Non, attends, avant que tu ailles, je voudrais te présenter Adirata. C'est une amie de Machanda. Elle vient de Paranba. Salut, salut. Il y en a quelque chose de prévu avec Machanda ce soir. Ça te dirait de lui faire découvrir la ville? Avec plaisir. Ça, c'est mon Yandé. J'ai amené ici la semaine dernière et j'ai été tellement occupé pour ranger que je n'ai pas eu l'occasion de sortir. J'ai vraiment besoin d'aller prendre un verre. Allez, je vous laisse. Bon, ben... Content de faire ta connaissance, moi aussi.
Elle est très jolie, la feuille. Pourrait certainement supporter le poids d'un petit objet. Je ne pense pas que l'uniforme puisse supporter ce poids. Christ, une fleur, tabarnak. Elle est complètement inaccessible. Il est trop compact pour que je puisse le faire bouger à la main. Toujours là, Gwen? La femme silencieuse? Et je suis déjà... Ça. Les éléphants peuvent être dangereux, je ne peux pas prendre le risque de m'approcher. Quel fruit étrange. Sa peau est dure et son odeur me rappelle celle des noix. Hors de question que je me rapproche davantage de l'éléphant. Je n'ai pas envie de mourir. Quel animal majestueux. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment. Si c'est vrai qu'ils sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire les mots qu'il faudra. C'est comme le parfum qu'on respire. Il faudra leur dire juste un moment. Facile à faire. Je ne veux pas lui donner ça. Je n'ai qu'une envie d'y donner ça. Est-ce que vous pourriez me piler ça pour moi? Attends, je vais traduire. Merci. Ouais, c'est vraiment ce que ça ressemble à du beurre de cacahuète. Bon. On va le donner à l'éléphant. Communément appelé Gwen. Vous avez la même size, la même grosseur. Et puis l'éléphant. Vous avez ramené de l'eau à Tija avant de mettre autre chose dans la bouteille. Elle doit commencer à s'impatienter. Je ne pense pas que ça m'intéresse beaucoup l'éléphant, mais là. Eh oh, eh oh, et dans les papillons, et toi qui es sur la peau, un. Du beurre de cacahuète. Et du beurre de cacahuète. Y'a des gens qui voudraient manger de bon goût de tia. Les éléphants sont super intelligents. Ça, c'est les hommes quand Gwen enlève ses pantalons. L'odeur, toi, l'odeur. Oh, il bande dans l'arbre. Non, pas loin. Escalade, ça n'a jamais été mon fort. Ils ont une magnifique trempe. On va faire quoi avec cette trempe-là?
La rocheur de portée est pleine d'abeilles excitées. Excitées comme moi. Je pense que la feuille de pain pourrait me servir autrement, mais moi aussi je pense ça. Juste au cas que un petit bug puis tu perds tout, c'est le fun ça. Est-ce que tu m'échanges ton briquet quand ça? On dirait que non. Bon. Une fleur? Retourne dans la grotte, voir qu'est-ce qu'il y a. Un seau plein de trous. Continue. Oui, oui. Ah, foulard. Il y a une sorte de cabane un peu plus loin. Christ. Il a un genre de cabane. Un chiffon. Un chiffon, c'est comme un foulard pour Gwen. On dirait qu'une forestière a laissé un chiffon pour marquer ses arbres. Il a été décoloré et un peu gras. Il sent l'essence. Il pourrait peut-être m'être utile, on sait jamais. Jamais. C'est jamais. Non. Oh. Un oiseau. Un avion. Non, c'est Superman. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est fermé.
Il y a un petit cadenas verrouillé qui empêche de l'ouvrir. Je devrais pouvoir utiliser quelque chose pour le casser. En tant que gros zizoui. Journal. Il est un peu humide. L'encre est tout étalée. Il y a quelque chose aussi qui est humide. Hein, Gwen? Elle appelle. Elle devrait pouvoir me servir. Un bon coup de pied à la face. Et ya! Ça marchait. Il y a un rouleau de ruban adhésif à usage industriel dedans. Je vais le prendre. Faut qu'il enferme ça dans une caisse. Du ruban adhésif. Le ruban adhésif devrait être assez épais pour recouvrir les trous. Et pas mal, la bouteille ne devrait plus fuir maintenant. Et non. Bon, il y a d'autres choses. On va aller par là, allons voir. Une demi-heure plus tard. Putain, je suis perdu. Il n'y a rien d'autre que des souches d'arbres à perte de vue. La zone a visiblement fait l'objet d'une exploitation intense. Quelle tristesse. Je devrais faire demi-tour. Une autre demi-heure plus tard. Ah, mais de l'eau, j'aurais pu en pogner là. C'est trop tard. De l'eau, de l'eau. Avant de partir, laisse-moi dormir dans ton pain. Avant de partir, laisse-moi dormir dans notre faim. Avant de partir, laisse-moi dormir une autre fois. Avant de partir, voilà votre eau. Merci Yandy, elle est ravie. Elle dit que tu peux garder la bouteille si tu le souhaites. Merci. Petite femme, merci. Voilà, petite folle, on va donner du beurre de pinot. Ça de niaise. Ah, peut-être si. Un bon coup de pelle. Le fil de la pelle est totalement émoussé. Je ne pense pas qu'elle puisse couper le cadenas. Ah, oh, tiens. Non, le briquet, j'en ai besoin pour faire un... Je vais mettre, tiens,
Le briquet. Ça, je vais mettre ça à pelle. Non. Je vais donner une bouteille d'eau. Où est la bouteille d'eau? Tiens, est-ce que tu m'échangerais ton briquet contre ça? Petit bâtard. Contre un journal. Bâtard. La première radio. Bon. Un autre homme qu'a vu Gwen. Putain. Qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur ne m'intéresse pas. Bon. Peux-tu me rappeler ce que je dois faire pour les membres de la tribu? Je dois trouver du sang de dragon pour Mereka et Sombi. Nariak a besoin de Imang sauvage et le fils de Nangurin n'est toujours pas. Par contre, ramène-les, s'il te plaît. Hey, est-ce que je suis pas leur esclave, mon tabarnak? Ah, le papier, peut-être? Ah ah! Humide tantôt. De penser à Survivor et intelligence et lente. Hey, je viens de trouver quelque chose, toi là. Je devrais laisser ces habits là où ils sont. Ah, mais le journal, c'était à moi, tabarnak. Toi là, t'es en train de jouer en même temps que moi là. On regarde à la place de chialer. Je suis à faire ton durée.
Bon, la cité d'éléphant. L'éléphant peut être dangereux. Je ne risque pas prendre. Donne-lui un coup de pelle. Non, bon. Cacahuète, là. C'est vrai que vous avez aimé les cacahuètes, moi, ces cochonneries-là. J'ai mis le beurre de cacahuète à l'intérieur de la bouteille. Bon. Qu'est-ce que je fais? Mets la fleur, tiens, t'as qu'à faire. Ah tiens, on va défaire le barrage avec ça, tiens. Ah ouais, vas-y, défais-les. Oh yes! Enfin, j'ai retiré autant de barrages que j'ai pu sans avoir à mouiller. Félicitations, grelot. Bon, qu'est-ce que ça te donne maintenant? Même d'ici, c'est trop loin pour que je puisse l'atteindre. Je ne veux pas risquer de tomber à l'eau avec ce qui cache. Il est très joli, la feuille pourrait certainement supporter le poids d'un petit objet. Je ne pense pas que une fois puisse supporter le tabarnak, c'est une feuille, yes. Priso. J'ai retiré autant de barrages que je pouvais dans l'entrée. Bon. Nénuphar. Il est très joli, la feuille pourrait certainement supporter le poids d'un petit objet. À moins que je calisse la radio dessus. En bas, c'est l'éléphant. Bon, ça vient. Éléphant. Splendide. Tiens, on dirait l'entrée d'une grotte derrière la cascade. Extraordinaire! Les rochers sont plus lourds qu'ils ont l'air. Je n'arrive pas à les faire bouger. Bon, je crois que je devrais pouvoir utiliser la pelle pour déplacer les rochers. Longtemps plus tard. Dis pas que je suis pas honnête, je suis pas intelligent. T'aurais jamais pensé à garder derrière ça, toi. C'était du boulot. Monticule. C'est quoi ça? C'est l'étrange tortue. Ah, maintenant je vais pouvoir sauter sa tortue. Oh! J'imagine que ce sont ceux de la tortue. J'ai déjà pris un œuf. De l'eau. Wow. L'eau qui ruisselle du mur est froid. Froid comme l'eau qui ruisselle
Des sauts. N'importe quoi. Oh, une caverne. Une poupée. Incroyable. Une figurine. Étrange, c'est une figurine d'argile grossièrement sculptée. Et là, une petite pierre précieuse verte autour du cou. Je ne vois pas à quoi ça m'avancerait. Moi non plus, j'essaye. Bon. Sors de là. Œuf. Œuf de tortue. Sors de là. Oh, ça va pas me... Comment ça passe votre journée, monsieur, madame la tortue? J'ai l'impression que je pourrais utiliser la tortue pour traverser. Ben moi aussi! Mais les rochers de l'autre côté du cours d'eau semblent accérés et difficiles à accessible. Bon ben. Ah, oh, mais tu devrais y donner un bon. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Sumatra Fit of Yandi, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah!